Bonjour à toutes et à tous, alors quelles sont les trois actions que vous pourriez mettre en place quand vous avez peur de l'inconnu et que cette peur de l'inconnu vous fait ne pas passer à l'action par rapport à votre processus de reconversion, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une des peurs les plus fréquentes de la reconversion qui est sur la peur de l'inconnu. Alors effectivement, la peur de l'inconnu, c'est aussi la peur de se jeter dans le vide. Parfois, on a l'impression effectivement que on va arriver dans une situation où on va plus rien maîtriser et où en fait c'est un gros saut dans le vide, une grosse sortie de zone de confort. Et en un sens, ça peut être vrai, tout dépend de votre idée de reconversion, mais c'est vrai qu'il y a certaines reconversions qui sont plus ou moins challengeantes, qui sont plus ou moins vraiment très évolutives. C'est vrai que si on passe d'un métier de bureau, de cadre par exemple, et qu'on va vers un milieu très créatif, très artistique, ou au contraire très manuel, bah effectivement c'est tout à fait compréhensible d'avoir un petit peu cette peur de l'inconnu, puisque votre quotidien il va complètement être bouleversé, il va complètement changer. Alors probablement pour le mieux, mais il va changer quand même. Donc déjà sur la peur de l'inconnu, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est une peur qui est vraiment inhérente au processus de reconversion, puisqu'effectivement le principe même de se reconvertir, c'est de passer d'une situation qu'on connaît, qu'on maîtrise, à une situation nouvelle, qu'on va un peu moins maîtriser. Donc c'est tout à fait normal et logique. Pour vous aider, on va parler de trois choses aujourd'hui on va dire, changer de regard un petit peu sur cette peur de l'inconnu. Mais avant, je voulais vous parler de cette idée de contrôle, parce qu'il y a vraiment ça aussi derrière la peur de l'inconnu. C'est vrai qu'en général, quand on a peur de l'inconnu, en fait, c'est qu'on a peur de ne plus pouvoir contrôler une situation. Alors je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si dans votre vie vous avez plutôt tendance à être dans le contrôle, à vouloir bien maîtriser les choses, à savoir quand tout est connu, quand tout est sécurisant. En tout cas si c'est votre cas, bah, il n'y a pas de souci, c'est juste que effectivement cette peur de l'inconnu elle va peut-être être un peu plus présente et un peu plus forte que quelqu'un qui serait plutôt dans le lâcher prise total et assez baba cool, tranquille. Voilà, donc en tout cas, il y a cette idée de contrôle qui va être bien un petit peu d'adoucir, et ça va être justement le premier point. La première chose, effectivement, c'est que, et c'est la plus difficile, hein, mais après on passera sur des choses un peu plus faciles, mais c'est vraiment cette capacité à lâcher prise par rapport à votre situation professionnelle, cette capacité à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça, c'est la première chose par rapport à la peur de l'inconnu. Alors, on est d'accord, c'est un processus, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se rappeler que de toute façon, quand bien même vous voudriez tout maîtriser, maîtriser chaque pan de votre processus de reconversion, eh bien cela serait impossible. Et j'ai même envie de dire, heureusement. Heureusement qu'on ne maîtrise pas tout et heureusement qu'il y a aussi des surprises parce que, ben, effectivement, dans notre tête, on va avoir tendance à penser surprise égale potentiellement mauvaise surprise, alors qu'en vérité, il peut aussi arriver de très belles surprises. Moi, ça a été le cas dans mon processus de reconversion. Par exemple, en même temps que je me suis reconvertie, je suis devenue ambassadrice avec une marque qui s'appelle L'Adrôme Laboratoire, qui produit des fleurs de Bach, et on continue à travailler aujourd'hui encore ensemble, après plus d'un an de collaboration. Et ça a fait partie, par exemple, vous savez, des super belles surprises qui sont arrivées et qui n'étaient pas prévues au départ. Sauf que cette chose-là ne serait jamais arrivée si je ne me m'étais pas reconvertie auparavant. Voyez, donc en fait c'est de se dire que de toute façon on ne peut pas tout maîtriser, mais on ne peut pas maîtriser aussi bien les choses négatives, difficiles, que les choses positives aussi. Donc c'est aussi se rappeler un petit peu qu'il y a cette possibilité aussi que les choses elles se passent encore mieux, et que quand on lâche prise un petit peu, ben, ça favorise aussi le fait que, vous savez, quand on lâche prise, le cœur il est plus ouvert. Donc s'il est plus ouvert, et ben, ça vous laisse aussi l'opportunité d'amener vers vous en fait des situations de vie qui seraient plutôt chouettes. Donc de ce côté-là. L'autre chose aussi, parce que vous allez me dire, bah oui, mais bon, même si j'essaie de me concentrer sur le positif, j'ai quand même peur de l'inconnu, c'est pas si facile que ça. Pour arriver à lâcher prise et à changer de perspective par rapport au contrôle, j'aimerais vous dire que eh bien, tous les matins quand vous sortez de chez vous pour aller travailler, pour aller acheter du pain, enfin pour faire vos activités, il y a toujours une variable d'inconnu et de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous pouvez contrôler la façon dont vous vous habillez le matin, si vous avez bien dans votre sac, je ne sais pas moi, votre petit flacon de fleur de Bach de remède d'urgence, une bouteille d'eau. Vous pouvez contrôler par exemple les réunions que vous allez avoir dans la journée, vous pouvez les préparer. Sauf qu'en fait, quand vous sortez de chez vous, vous n'allez pas contrôler les gens que vous allez croiser dans la rue. Vous ne pouvez pas contrôler si il va y avoir du retard dans le métro ou dans les bus pour aller travailler. Vous ne pouvez pas contrôler tout un tas de choses de la vie. Et heureusement, vous imaginez la responsabilité que ce serait si on devait tout contrôler. Donc en fait, je trouve aussi que ça aide à se dire, là c'est sur des exemples de la vie de tous les jours, mais en fait c'est vraiment ça, là, une reconversion, c'est aussi des choses de la vie de tous les jours. Donc c'est aussi se dire que de toute façon, tout le temps, vous êtes face à des situations qui sont inconnues. Vraiment ces exemples de « je sors chez moi, sortir les poubelles », ben vous allez rencontrer des gens, il va se produire des choses, alors des choses tout à fait lambda, classiques, auxquelles d'habitude on ne prête pas attention, mais il va se passer des choses que vous n'aurez pas maîtrisées. Donc en fait, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie de ne pas pouvoir maîtriser tout. Donc en fait, je pense que ça peut vous aider aussi à un petit peu relativiser, se dire, et à faciliter le fait qu'on va arriver à lâcher prise par rapport au fait que de toute façon, quand même on voudrait tout contrôler, ce serait trop compliqué. Et c'est la beauté aussi de la vie, voilà, mais ça on va y revenir. Effectivement, c'est ce deuxième point que j'appelle la preuve par l'expérience. Effectivement, j'aimerais que pour arriver à changer de perspective, eh bien, c'est de remonter dans le passé et de voir les situations, les fois où eh bien, vous avez été face à des situations inconnues et qu'en fait ça a été comme une sorte de bénédiction cachée ou comme finalement ça s'est vraiment super bien passé. Donc c'est ce que j'appelle effectivement la preuve par l'expérience, c'est de se rappeler que par le passé, vous avez déjà été confronté à des situations inconnues, qui ont pu, au début, comme pour la reconversion, être inconfortables, mais qui, au final, se sont révélées être extrêmement positives. Donc, essayez de vous rappeler un peu, ça peut être des voyages, par exemple, où vous êtes parti à l'étranger et vous étiez en totale sortie de zone de confort parce que les conditions sanitaires n'étaient pas du tout les mêmes, parce que vous ne parliez pas la langue, parce que vous avez eu plein de galères pendant le voyage. Ça peut être aussi une situation de vie, par exemple avec votre conjoint, avec des gens de votre famille ou avec une discussion qui s'est mal passée, où vous attendiez pas du tout à arriver à cette conversation-là et finalement c'est arrivé, ça vous a fait sortir de votre zone de confort, mais finalement c'était sans doute pour quelque chose de mieux. Donc je vais vous demander de trouver genre un exemple ou une situation où effectivement vous êtes sorti de votre zone de confort, où vous avez été face à de l'inconnu et où finalement vous en êtes sorti. Et j'ai envie même de dire que vous êtes encore en vie là et vous écoutez cette vidéo. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez appris de cette expérience et que en fait ça s'est quand même bien passé. Donc repenser à ça, ça devrait vous aider de se dire que quand on a peur de l'inconnu, se rappeler toutes les fois où on est sorti de sa zone de confort, où on a fait face à de l'inconnu, ça peut vraiment vous aider. Et enfin, donc ça c'était la deuxième chose. Et la troisième petit tips que je voulais vous donner sur justement la peur de l'inconnu, eh bien c'est tout simplement, c'est la plus pratico-pratique de remettre du connu dans ce processus qui vous paraît inconnu. Et c'est pour ça, je le répète, une fois n'est pas coutume, que l'organisation, le fait de se fixer des objectifs, de se fixer un cadre de travail pour votre reconversion, c'est indispensable. Vraiment, je l'appuie tout le temps, je le dis souvent, mais à raison. Parce qu'en fait, effectivement, oui, il y a des variables qui sont inconnues et qui peuvent faire peur, et ça, je l'entends tout à fait. Par contre, vous pouvez essayer de faire en sorte que la majorité, que les grandes lignes, elles, soient connues. Et donc ça, par exemple, ça peut être en se fixant un rétro-planning à 6 mois de toutes les actions, de tout ce qui va se passer dans les 6 prochains mois pour votre reconversion. Ça peut être de se fixer des grands objectifs. Je vous renvoie à la vidéo sur les objectifs SMART que j'ai fait pour arriver à se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient atteignables et qui vous donnent une espèce de trame. Ça peut être de vous faire accompagner à la reconversion professionnelle. Je suis là, j'ai un programme d'accompagnement spécifique à ce sujet qui s'appelle le programme OSE, qui est du coaching individuel, et si vous préférez plutôt faire en autonomie, j'ai le programme qui s'appelle Ma reconversion pas à pas, les liens sont en bas dans la vidéo, dans la description plutôt. Donc il y a ce genre de choses qui sont possibles, et vous avez plein de solutions en fait pour remettre du connu dans de l'inconnu. Si vraiment cet inconnu vous fait peur, vous terrorise et vous empêche de passer à l'action, eh bien effectivement, peut-être ça peut être intéressant de se prendre une demi-journée pour dessiner les grandes lignes de votre projet. Et vous pouvez même vous amuser à faire des scénarios. Si vous vous rendez compte que ça vous fait vraiment très peur, bah par exemple, vous pouvez vous faire un scénario, on va dire, vous savez, le scénario bas ou un peu moyen, un scénario neutre et un scénario idéal de ce qui pourrait se passer. Et ainsi, vous balisez les choses et vous retrouvez eh bien, un peu plus de légèreté, un peu plus de détente, un peu plus de fouf, je peux souffler, parce que justement, la peur de l'inconnu aura tout simplement diminué puisqu'en fait vous aurez diminué quelque part cet inconnu, donc diminué les risques. Et ça, vraiment, un projet de reconversion professionnelle, ça se prépare, ça se réfléchit, ça s'anticipe. Et donc du coup c'est en anticipant et en faisant tout ça, en fait, toutes ces choses de rétro-planning, de meilleure organisation, etc., qui vont vous aider in fine à savoir où est-ce que vous allez, à prendre confiance en vous et à vous dire que cette peur de l'inconnu, elle n'a plus vraiment besoin d'être, parce que vous gérez malgré tout tout ce qui peut, l'essentiel de ce qui va arriver. Et pour les petites variables inconnues, et bien plutôt que de s'imaginer que ça sera forcément le pire qui va arriver, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, en fait, s'il y a des inconnus qui peuvent arriver, ça peut être aussi pour des très très belles surprises. Voilà, c'est sur cette petite touche de positivité et de plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous souhaite une belle journée ou soirée. À très vite.